à tous. Nous allons maintenant définir ce qu'est un dogleg. Un dogleg, pour faire simple, c'est un trou qui tourne énormément. Je vais vous prendre l'exemple d'un dogleg droit. Je vais dessiner mon départ, et voilà à quoi ça peut ressembler. Un fairway qui tourne à 90 degrés. Donc autant dire, c'est un trou où la stratégie est importante. Si on imagine que c'est un par 5, voilà comment je jouerai. Un premier coup, un deuxième coup sur le fairway, et enfin le troisième sur le green. On peut aussi décider de jouer le dogleg en coupant, en ne faisant que deux coups. Donc on prend le chemin le plus court qui sépare le départ du green, on joue vers le rough et on joue un deuxième coup sur le green. C'est possible. Mais si j'ai mis le dessin en rouge, c'est parce qu'en général, on fait un premier coup, et puis un deuxième petit, un troisième petit, un quatrième petit, pour arriver en 5 sur le green. Donc le risque, parfois, n'en vaut pas l'effort. Le plus simple sur un dogleg, c'est de le jouer avec humilité. On joue sur le fairway, on suit le dessin du trou. L'architecte a choisi cette option pour une bonne raison. On ne prend pas de risque et on fait un bon par. Sachez que sur mon dessin, le dogleg est à droite, mais qu'il existe évidemment autant de doglegs vers la gauche. Maintenant, à vous de jouer. Bonne partie! Alors, prêt à affronter le parcours ?